Il y a fort longtemps, durant la période Heian, au Japon, vivait une très belle femme, l'épouse d'un samouraï. Très vaniteuse, elle aimait demander aux enfants du village s'ils la trouvaient belle. Et c'était le cas, et pareil pour les hommes adultes. Mais cette femme n'était pas très fidèle. Et comme elle était beaucoup courtisée, elle en profita pour s'envoyer en l'air avec de nombreux hommes. Son mari n'a pas trop apprécié d'apprendre cela. Il s'est senti trahi, déshonoré. Il prit alors une lame et lui défigura le visage, ouvrant sa bouche plus largement. Offrant à sa femme un grand sourire sanglant, tout en criant « Qui te trouvera belle maintenant ?» juste avant de la tuer. C'est ainsi qu'est née la Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Son âme ne put jamais trouver le repos, tant en colère, animée par une envie de vengeance. Elle erre à présent dans les rues, la nuit, à la recherche de victimes pour assouvir sa soif de sang. Elle arbore de longs vêtements sombres et cache son visage, avec un éventail, un foulard ou plus récemment, un masque chirurgical. Et ce n'est pas pour se protéger du Covid. Lorsqu'elle croise quelqu'un, elle lui pose une question. « Suis-je belle ?» Si la personne lui dit oui, alors elle dévoile son visage entièrement, dévoilant un sourire de sang et lui demandant « Même comme cela ?» Si la personne dit non, alors elle sort une paire de ciseaux ou une faux et la tue immédiatement, lui découpant le visage comme elle. Mais si la personne lui répond « Oui », alors elle dit « Eh bien, si vous me trouvez jolie, alors je vais vous en faire un !» et lui découpe aussi le visage. Mais parfois, elle laisse juste la personne partir, pour en fait la suivre et la tuer sur le seuil de sa porte. Mince! Mais du coup, si on la croise, on n'a aucune chance! Apparemment, non. On peut ruser. Par exemple, vous pouvez lui répondre qu'elle est normale, ordinaire, ni moche, ni belle. Ou encore, lui retourner sa propre question. Ça la perturbera et vous pourrez en profiter pour fuir. Une autre solution est de lui balancer des bonbons dessus pour la déstabiliser. Mais elle aime aussi les bonbons, donc elle prendra le temps d'en manger certains. Et du coup, vous pourrez fuir. Des variantes de cette légende existent. Par exemple, si on répond oui deux fois à sa question, alors elle ouvre sa bouche béante, en sort un rubis, la donne à la personne et disparaît. Il existe aussi une version contemporaine du mythe, où l'esprit est le fantôme d'une femme morte d'une maladie infectieuse ou ayant subi une chirurgie faciale ratée, voulant donc se venger dans la mort. Durant les années 70, les enfants japonais étaient complètement traumatisés par ce fantôme, n'osant même plus sortir de chez eux ou alors seulement en groupe. Une paranoïa qui dura quand même 20 ans. C'est ainsi que se termine ce premier épisode d'Histoire de Yokai. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel yokai vous aimeriez que je présente. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît, à activer la cloche, mais surtout à partager la vidéo. Vous pouvez également me soutenir financièrement à travers plusieurs plateformes, car oui, j'aime l'argent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.